Hello YouTube! Qui a laissé la porte là ouverte? On change de position. Princesse! Can you close my door right there? Je dis qu'elle ferme la porte. Elle me dit qu'elle est en train de faire la coiffure de son enfant. Hello YouTube! J'espère que vous allez bien. Que de bonnes nouvelles depuis un temps. C'est vrai que vous ne m'avez pas vue ici sur YouTube depuis, mais je m'excuse. J'étais occupée. Regardez comment René est juste so pretty. I love this. Bon, mais je vais aller fermer la porte. Ce qu'elle s'est dit, c'est coucou la pandérie. Remember when you used to say tchao? Hello les queens de YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est René. Hello, what's up? Alors, si vous l'ignorez, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Je vais commencer par la première grande et bonne nouvelle. Une minute de plastique derrière moi. Les vidéos là aussi, c'est travail. Voici pourquoi j'aime pas faire les vidéos. Bonjour tout le monde, what's up, c'est Renmer, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. La première nouvelle, oh là là, si vous la connaissez, Tasha K, On Wine with Tasha, la reine du micro, la reine du gossip américain, m'a interviewée et l'interview était... Yes! Je vais laisser le lien de l'interview là. Allez regarder l'interview et abonnez-vous à sa chaîne. L'interview était bien, c'était riche et je vais vous dire une vérité. Et je ne vais pas vous mentir. Cette interview a été l'interview le plus zen dans lequel j'ai été. Je suis surprise que ce soit une Américaine qui me donne une plateforme et qui me mette à l'aise. C'est l'interview où j'ai été le plus à l'aise. L'interview où on m'a donné la chance de m'expliquer. L'interview où on ne m'a pas posé des questions pièges, l'interview où on n'a pas essayé de me souiller ou quoi que ce soit. C'est vrai que dans d'autres pays, j'ai fait des interviews qui étaient très bien. C'est vrai que parfois, les interviews à la télé, le temps est souvent limité et tout. Mais vraiment, ça c'était l'un des interviews dans lequel je me suis vraiment sentie à l'aise et je me suis vraiment, vraiment lâchée. Je suis très, très contente qu'elle m'ait invitée. Elle est une ambassadrice de ma société. C'est l'ambassadrice de Bell Secret. D'ailleurs, si vous regardez ses vidéos, vous allez voir les publicités de Bell Secret passer et tout. Et si vous avez un business, je la recommande. Elle apporte les ventes. Elle fait les ventes pleuvoir comme la pluie. Bon, revenons à nos moutons. L'interview s'est bien passée. Elle et moi, nous nous sommes rencontrés l'année passée. J'étais en vacances avec ma meilleure amie, Nikki, vous la connaissez. Et elle aussi, elle était en vacances pour son anniversaire. Et nous nous sommes rencontrés. Et voilà comment le vibe, quoi, les énergies se sont collées. On a commencé à parler, on est devenus amis. Et après, elle est devenue mon ambassadrice. Elle m'a invitée à son studio qui est juste... Wow! Et j'ai rencontré son mari qui est africain, malien, camerounais. J'ai dit... Et l'interview était bien, c'était bien. On a parlé de business, on a parlé de mindset, on a parlé de mariage, on a parlé de beaucoup de choses. Bref, je vais laisser le lien sous les commentaires, sous la barre d'infos. Cliquez et allez regarder la vidéo. Laissez un commentaire sous la vidéo et bien sûr, soutenez Renmer, c'est normal. Hein? Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est que mon académie est ouverte. Donc, si tu n'es pas encore dans l'académie, s'il te plaît, va t'inscrire. Les reines de l'académie, si vous passez par ici, là, pardon, laissez un commentaire en dessous pour les nouvelles. L'académie est riche, riche en bonne énergie, riche en positivité, riche en partage, en information, en transformation, en mindset, en motivation et en tout ce que tu peux imaginer. Hier, par exemple, dans l'académie, nous avons fait le cours de Amazon FBA. J'ai montré à mes reines comment se lancer dans Amazon FBA, c'est qu'il faut les meilleurs produits à vendre ou trouver les meilleurs produits pour vendre sur Amazon, les stratégies marketing qu'il faut faire et tout, comment créer un compte Amazon. Bref, le cours d'hier était riche. Les reines et moi, nous étions connectés de 15h à presque 19h30, donc 4h. J'aime passer du temps avec mes reines. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Tout ce que je vais vous dire, c'est que l'académie est ouverte. Et si vous doutiez encore, si vous avez encore des doutes, je ne sais pas pourquoi, nous sommes déjà plus de 3000. Plus de 3000 personnes dans l'académie. Voilà, et vous attendez quoi? Allez vous abonner, Néa. C'est 55$ le mois, 50€ le mois. Tu peux payer tous les mois, tu peux payer pour 6 mois direct ou pour 1 an direct. Tu ne vas pas payer 55$ pour ton futur, pour les informations qui peuvent t'aider dans ton business, mais tu vas aller acheter une Louboutin de 800€. Tu vas aller acheter les choses, un parfum de 800€. Ma chérie, investis en toi, à ton futur. Hey! Mon frère, ce n'est pas seulement pour les femmes, hein. Hommes et femmes.
hommes et femmes, dont l'académie est maintenant ouverte et je vous invite nombreuses, je vous invite massivement à vous inscrire à l'académie. On a déjà fait beaucoup de cours, on a fait création de site, on a parlé de logistique, on a parlé de beaucoup de choses. Bye bye! Bye bye! All right. On a parlé de beaucoup de choses dans l'académie. On a parlé de la logistique. J'ai partagé mon transporteur avec les reines. Je leur ai dit comment transporter leurs produits de l'Afrique vers l'Occident ou encore de l'Occident vers l'Afrique ou encore de la Chine ou la Turquie ou Dubaï vers l'Afrique. Exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. J'ai partagé mon transporteur. Donc, vous pouvez l'utiliser pour transporter vos produits. Et au-dessus de ça... Je les ai montré comment créer un site. On a fait création d'un site première et deuxième partie. On a parlé de beaucoup de choses. Il y a plus de 30 vidéos disponibles dans l'académie. Donc, même si vous vous enregistrez, même si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez accès à toutes ces vidéos-là. Vous pouvez regarder toutes ces vidéos-là. Et donnez-moi un mois. Si vous n'êtes pas satisfaite, hein, vous pouvez partir. L'académie, là, on ne vous force pas. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Mais quand vous venez là, tellement vous aimez l'énergie qu'il y a dans l'académie, vous-même, vous restez sans vouloir rester. Donc, mes reines, je vous en prie, venez à l'académie maintenant. J'ai laissé une vidéo avant-hier où je vous disais que j'ai montré un produit à mes reines qui peut vous aider à faire plus de 20 000 $ le mois. Et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait, où sont les preuves? Ça, c'est le problème de l'Africain. Vous êtes des Thomas, vous aimez voir avant de croire. Quand tu viens me dire sous les commentaires, où sont les preuves? Viens dans mon académie, je vais te montrer les preuves. Mes reines qui sont dans l'académie ont déjà vu les preuves. Elles voient l'argent, elles voient les calculs, elles voient les maths, elles voient tout. Je ne cache rien dans mon académie, même mon compte bancaire je monte souvent, même mon Shopify je monte souvent. Donc quand tu viens tu dis où sont les preuves, moi je vais venir te montrer les preuves ici par rapport à quoi. Tu es qui? Tu viens dans mon académie, tu vas voir les preuves. C'est ça le problème, vous êtes toujours en train de douter des gens. Mais si c'est le blanc qui se lève, il vient vous dire que voilà, tu peux vendre le truc, si je vais t'aider, viens me payer 1 000 €, 3 000 €, 5 000 €, vous allez courir pour payer. Mais va payer 50 € là-bas et on te montre où sont les preuves. Reste dans ton coin, reste dans ta pauvreté. Laisse ceux-là qui veulent grandir, évoluer, évoluer. Je t'ai laissé dans mon commentaire, mais je vais te ramasser un jour. L'académie est ouverte. Et vous, si vous voulez savoir de quel produit est-ce qu'il s'agit, pour pouvoir vous faire, c'est quoi avec la lumière? Si vous voulez savoir de quel produit est-ce qu'il s'agit, pour pouvoir vous faire presque 20 000 $ tous les mois avec un seul produit. Venez à l'académie, vous allez découvrir. Vous allez découvrir. Et ça, c'est pas le mensonge, c'est ce que moi-même je fais. Et c'est ce que j'ai beaucoup d'élèves qui sont en train de faire. Dès que j'ai partagé le secret, venez voir les commandes. Venez voir les commandes. Trop parler là. Ça donne le palus. En conclusion, venez me rejoindre sur mon Instagram. Mon Instagram a été piraté. J'ai une idée de qui a piraté mon Instagram. Mais je viendrai ici verser les papots. Un après l'autre. Vous me connaissez, non? Moi, je viens toujours avec mes preuves. Donc, on m'a déjà donné la localisation de la personne. Et comme je connais où la personne se trouve, j'attends seulement qu'on confirme le nom. Dès qu'on confirme le nom de la personne qui a signalé jusqu'à pirater ma page là, je viendrai ici m'asseoir avec les papos. Vous me connaissez? Je ne parle pas dans le vide. Je parle avec les preuves. I'm coming. Mon compte Instagram a été piraté. Et je ne sais pas. Parfois, Dieu fait des choses. Hein. Regardez que mon compte a été piraté vendredi. Et c'était le week-end de la fête des mères. Et c'était le week-end où j'ai fait l'interview avec Tasha. Donc, c'était un week-end vraiment mouvementé. Et j'avais déjà fait la communication sur la vente, sur les promos qu'on avait sur le site Bell Secret. Et mon Instagram m'apporte jusqu'à 50% de ventes, parfois. Alors, quand on a piraté mon compte, je ne sais pas si on a cru qu'on m'a déstabilisé ou quoi. Mais les gens oublient souvent que les femmes comme moi, là, nous sommes des graines. Quand tu nous enterres, on germe, on germe. J'ai germé. Bon, bref, mon compte a été récupéré grâce à une recommandation de Tasha, un Américain m'a aidé. Mon compte a été récupéré et venez me rejoindre, ces belles bijoux officiels. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai créé un compte pour les Américains. Le compte s'appelle Bell Jones Official. Bell Jones Officiel. Là-bas, c'est uniquement anglais. C'est pour les Américains. Là-bas, je ne blague pas. C'est pour les Américains. C'est bam, bam, bam. Et de l'autre côté, c'est pour nous, les francophones. Bell Bijoux Officiel. L'autre, c'est Bell Jones Officiel. Donc, venez me rejoindre sur les deux comptes. Et bien sûr, abat les jaloux. Dieu vous voit.
Vous êtes vaincu au nom de Jésus. Aïe! Aïe! Bon, mais rien à part ça, voilà toutes les bonnes nouvelles. Pour moi aussi, c'est une bonne nouvelle. Que ce soit le Instagram qui a été piraté, c'est une bonne nouvelle. Hein? Parfois, comme j'ai dit, on t'enterre, mais on ne sait pas qu'on t'a aidé à germer. Malgré le fait qu'on a piraté mon Instagram le week-end, je vous assure, mon site Dark Secret a fait des ventes. Nous sommes à plus de 40 000 $ de vente en un seul week-end, vendredi, samedi, dimanche, on a fait plus de 40 000 $, plus de 40 000 $. Hey, wallah, je m'en vais au bureau, vous allez voir, non? Vous savez que moi, je ne vous cache jamais, je vous montre toujours. Okay? Juste au moment où on pense qu'on t'a tué, on t'a enterré là, on ne sait pas que Dieu est en train de t'arroser, c'est qui s'apprête à faire? Avec mon interview avec Tasha, les Américains sont venus, elles ont soutenu, elles ont passé les commandes, les commandes tombaient seulement, mon téléphone faisait seulement cling, 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 cling. Je pensais que j'allais atteindre 1 000 000. Je pensais que j'allais atteindre 1 000 000 $. J'entendais seulement cling, 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 cling. Je dis, wallah, Jésus, Marie, Joseph, quand Dieu te bénit. Donc, malgré le fait qu'on a piraté mon compte Instagram et que je n'ai pas bien pu faire la communication de la fête des mères et tout, déjà, bonne fête des mères à toutes les mamans, la fête des mères et tout, Dieu m'a béni, l'interview a ramené des ventes incroyables. Et n'oubliez pas, Tasha aussi, mon ambassadrice et tout, je vous ai dit, j'ai plus de 14 ambassadrices américaines, donc elles font un excellent travail à m'apporter des ventes. Mes ambassadrices américaines m'apportent les ventes, elles ne blaguent pas, elles sont madame, elles font leur travail à la lettre. Tchac. Bon, j'ai trop bavardé. Je m'en vais au bureau. Venez sur Instagram, vous verrez comment ça se passe au bureau, ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais partager avec vous toutes les bonnes choses. Et... yes, c'est tout, Queen. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Attends, je vais monter. Voilà, c'est la fin. Regardez comment cette femme est belle. On peut être positif comme ça. On fait joli comme ça. Adam, on fait joli comme ça. Adam, on fait Jack comme ça. Bon, je m'en vais. Bisous. On se dit sur Instagram et Facebook, c'est Belle Bijou officiel. Hein. Attention, il y a les faux comptes. Hein. Mon compte a 630 quelque chose, 1 000 d'abonnés. Ok, bisous.